Bonjour mes confrères, c'est Zef et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Far Cry 5. Bon visionnage! Non, non, j'ai gardé l'arc. Oh la vache! Oh putain, ça sent les œufs! Qui font une orgie et puis qui crèvent après et tout ça! Ok. Et à point d'exclure. Putain. Point d'exclamation, là, je veux voir ce que c'est. Mon cousin a vu des cinglés emmener du monde dans leur couvent. Ils continuent à forcer les gens à intégrer leur secte en leur disant que c'est pour leur bien. Quelle bande de malades! Adios, officier. Où est mon arc? Où est l'arc? Ah. Je sais pas ce que c'était. Mais bon. C'est plus là, en tout cas. Très bien. Donc on va regarder la carte maintenant. Et on va essayer de voir. Donc là, ça c'est le couvent. Ça c'est un endroit où il faut détruire. Ah ouais, il nous avait pas donné une mission style chasser des trucs ou je sais pas quoi. Ah voilà, c'est exactement ça. Bon après, on a vraiment un max de trucs. C'est... Et tout est une mission principale hein, quand même. Ah ouais. Putain, fils de pute. Oh, il faut pas gâcher. Mais tu veux que je te donne des coups? Je vais faire ça plus tard, là, il faut tuer des gens et tout. Enfin. Ouais, carte du monde. Et on va. On va se déplacer ici. Voilà, on devrait. Alors, c'est pas qu'on est beaucoup plus proche, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, donc quand les autres disaient que t'étais une chienne, ils plaisantaient pas. Hein. Je vais apparemment oublier de prendre ça. Si nouveau lieu découvert. D'accord, mais ça apparemment, je n'étais pas venu nier non plus. Merci du coup de main. Oui, c'est moi. Bon alors écoute-moi bien. Je dois déjà supporter que ton petit gigolo de mes deux vive dans ma putain de marina. C'est toujours c'est incroyable. Sans arrêt, que c'est à moi. Vivement l'automne. C'est la saison idéale pour s'envoyer en l'air en pleine nature. Ouais, c'est vraiment une chiennasse, hein. Il n'y a pas à chipoter. Ah. J'ai peut-être un tout petit peu besoin de munitions, en fait. Un peu espéré qu'il y en ait. Alors, on va la tourner sur la lance. Wow. Ah oui, voilà, le crash pest. Il arrête pas de dire que la
Ça coûte combien? C'est marqué boutique, tout ça. Combien coûte un hélicoptère? C'est long. C'est vraiment long. Ah, je crois que ça a bloqué. D'accord. Donc tu m'as fait attendre autant de temps pour me dire va chier quoi. Excellent. En fait, c'est super chiant parce que la conduite automatique ne sert jamais à rien, étant donné qu'il peut jamais. Allez, dégage de là. Super. Oh. Je suis pas fait pour jouer avec un lance-flamme. Hein. Bon, par contre, tu pourrais venir me chercher à un moment donné. J'arrive du ciel! Restez pas là! Je vais passer un bon moment, ma jolie. Oh mais non! Faut que j'aille par là. Je vois un autre. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? On va cramer, on va cramer, sors de là! À quel moment? Mais où est le mortier qui nous tirait dessus en fait? Moi, c'est surtout ça que je veux savoir. S'il y a un putain de mortier qui nous tirait dessus. D'accord. Je bouge la rondelle. Donc il y a un endroit.
où on a déclenché l'alarme sans trop savoir comment. Allez, mais tire-lui! Putain! Ah, il était temps, je croyais plus. Cool. Il y a un truc là, non?
du point B au point A, mais peut-être pas dans cet ordre. Ça me fera toujours marrer. Bon, il le dit un peu trop souvent là, mais c'est quand même assez drôle. Et j'ai eu peur que Lily se prenne dans l'arbre et que je meure, hein. Parce que ce serait pas la première fois que ce genre de mésaventure m'arrive. Ça va, je vais bien. Alors. Certains disent qu'un groupe de cougars emmène les gens au Raptor Peak. Ok. Apparemment, il faut les rejoindre à la tour de guet. Attends, d'abord, j'ai besoin d'un compagnon. Et on va prendre lui parce qu'il n'a pas fait toutes ses éliminations encore. J'arrive tout de suite. Je viens de déposer les gamins à la piscine, du coup je voyage léger. Couvre-moi pendant que je bouge. comme si là je lui avais pas mis une tête.
Je touche plus rien, c'est rien. Les zombies. D'accord. Et ils sont tous tarés à un certain niveau. Excellent. Oh, c'est moi. Excellent. Où est-ce qu'elle est? Bon. Génial, tu mets la musique. Mets non. Les conneries, les sablés. Je ne mets pas de musique. Et j'ai compris à quoi sert la vue libre. Attends, il y a un truc là. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. C'était comme un clip de rap. Vachement léché, avec plein de fessiers qui twerkaient sur moi. Du fric qui pleuvait. Ouais, c'est une belle vie. Hey, je l'ai vu de loin celui-là. Hein. Oh la vache, je me suis garé vachement loin. Merde. Oh. J'ai 3 essais, hein. Apparemment, ici... Officier, c'est Tracy. Je vois que vous avez trouvé les hôtels que Face a construits. Il y en a tout au long de leur pèlerinage à la camp. Et il y a toujours un troupeau de cinglés autour, à se toucher la nouille sur Joseph. Vous pourriez les calmer un peu? Réduisez tous leurs hôtels en poussière. On est visible. Elle va pas s'en mettre, je crois.
Tout le monde sait que le King's Hot Springs Hotel est hanté, mais ça empêche pas les tarés d'y torturer des gens. J'espère que les fantômes vont leur régler leur compte. J'ai vu. Et alors? Je plane plus haut qu'une girafe en Jamaïque. Ces connards essaient de mettre la main sur tout le gibier pour se garder. Je suis désolé, jeune loup, mais... Je me suis pas super bien garé, hein. Je suis un peu en porte. Il y a un... Doucement, doucement. Sanctuaire. Tout comme l'arbre de la connaissance. Si jamais tu me demandes, j'ai très envie de me faire les tarés là-bas. Tu vas me dire que là, j'ai pas réussi à faire de headshot? Mais faut arrêter, elle doit être morte au moins 10 fois là! Ah oui, bah oui, bien sûr! Bien. Génial, tu mets la musique. Mais pas les conneries des sablés. Pas de musique. Salut. Je viens de te sauver. Mais... Oh. J'espère que vous êtes pas un... Il paraît que la secte planque une tonne de ressources dans la mine de soufre. Je sais pas si c'est des armes ou de la drogue, mais je suis sûr que cet endroit est important pour eux. C'est bien.
Ah, c'est pas grave, on fera la chasse aux animaux plus tard. Tu me fous un ours brun et deux antilopes. Mais là... Dégourdir un peu les pattes. Ok, d'accord. On a des cinglés juste là. Je suis allé voir là-haut, pas qu'il y ait toute une troupe qui me prenne par derrière. Couvre-moi pendant que je bouge. Nos prêtresses ont toujours été là pour nous. Merde. Merde, faut... Et putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez. D'accord, ok. Je suppose que là, il doit avoir un max de gens aussi. D'accord, donc en gros, il y a trois endroits où il décolle, il se pose, il s'amuse, quoi, en gros. Je vais me dégourdir un peu les pattes. Donc, ce que je peux faire, c'est attendre ici. Il a l'air de retourner à l'hélicoptère. Yes. Normalement, il revient ici. Couvre-moi, je me déplace. Je fais ça.
4 headshots quand même. Hein. Bien. Bien, bien, bien. Bon, donc, bon, c'était facile, hein. Cette mission était facile. Tu vas, tu clean une zone, t'attends qu'il revienne, tu le butes. Trois petits headshots. Allez, deux headshots sûrs, mais je suis quand même sûr d'en avoir mis 3-4. Hein. Je me suis fait me démonter. Ah merde. Elle est plus qu'un kilomètre. Quel enfer. Quel enfer ce son. Un peu coincé. Je suis venu te délivrer. Ils vont souffrir. Je me casse. Il va.
C'est une blague ou quoi? Juste quand on venait de récupérer la marina. Je peux pas saquer ces mutilés du bulbe. Nom d'une paire de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. Oui. Je tiens toujours parole. Les alarmes, je sais pas ce que c'est. Si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres, n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. Sauf au coucher du soleil. C'est l'heure où Xander fait son yoga. Et j'aime bien regarder. Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien. Oh. Oui, oui, oui. Calme-toi, calme-toi. Je te revaudrai ça. Bien sûr. Excellent. Mais écoute, ça me fait énormément plaisir de, d'une part que j'ai un... non, je me sens pas. Vas-y, parle. Excellent. Bon. Super. Alors, on a... Lui qui ne fait aucune illumination. Hein. Ce mec est mais nul à chier. C'est terrible. D'ailleurs, je l'ai oublié apparemment. Alors, si on regarde un coup dans tout ce qui est défi, et qu'on regarde une fois... Ah non, merde. Trompé le bouton. Ici. Alors, on a Sharky, donc 5 éliminations, donc on sait qu'il est nul. Hein. Adelaide, 5. Grace, 5. Et Nick Rye. Ok. Par contre, moi, il n'y en a que 2 qui me manquent. Quel est ce... Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça voudrait dire que... Attends. Ouais, ouais, je vous retire, parce que déjà, vous ne servez à rien. J'ai accompli ce que j'avais besoin. Donc, Nick Rye et Grace Armstrong. Ok, donc ça, c'est les 2 qu'on doit recruter, d'accord. Ah bah oui, Adelaide, c'est celle que je viens d'avoir, je suis con. Bah écoute, étant donné que l'autre, il va mettre 7 minutes avant que je puisse le rappeler. Ah bah non, bah c'est bon, c'est toi qui es là, hein. Alors, rejoignez les unes de remplissement des eaux. Attends, d'abord, je vais voir un peu au niveau de la carte. Est-ce que je vois... Ah, bah les 2 sont ici, d'accord. Les cinglés ont pris le contrôle de Folzen. Si quelqu'un l'entend, il peut nous aider. Ok, bon, bah on va à Folzen. Donc je sais comment je te dis parler. Dis, Trésor, j'imagine que tu chômes pas. Mais l'autre semi-couille molle est toujours en train de se balader aux commandes de mon hélico. Tu pourrais faire quelque chose? Mais non, je l'ai ramené. Merci de ton aide. Cet endroit compte beaucoup pour moi. C'est le premier truc que j'ai eu dans le divorce. Ah, ça te plaît, ça, hein? Ok. Bon, allez, on va faire False End. C'est la première mission qu'on te dit, ouais, il faut que tu fasses ça. Mon gibier préféré, c'est le serpent des caleçons. T'avais qu'à traverser dans les clous. T'avais qu'à traverser dans les clous, excellent. Mais il tourne tout seul. J'ai juste besoin d'accélérer. Il reste sur la voie et tout. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Retourne te battre, ma belle.
bien. On a une vraie pro de la gâchette. Mets-toi en route, trésor. Mais merci, petit geste. J'adore l'odeur du sang. Mon pote dit qu'il a vu quelqu'un cueillir des plantes près du saloon. Le mec racontait que le meilleur moyen de lutter contre la secte, c'était de changer notre biochimie. N'importe quoi, ces camés. Tu trouves quelque chose, trésor ? Il monte toujours à un endroit différent. Ah, donc si je mets... D'accord, donc tu mets le... Quoi ? T'es pas mort ? Mais je t'ai écrasé ! La valise, elle a déjà... Oh, c'est bon. Empêchez-moi de mourir pendant que je recharge. Vous savez que quelqu'un essaie de tourner un film ici ? Sans déconner, j'ai vu un abruti de gauchiste Plaosa s'aboyer des ordres vers la vieille mine de Radon. Ok. Ce serait idiot de laisser ça. Ah ouais, c'est pour ça que je le prends. Mets-toi en route, trésor. Je veux descendre. Arrête la voiture. Attends, j'ai tiré en plein dans le pneu. Attends, tu vas me dire que tu tires dans les pneus et les pneus se crèvent pas. Putain, mais elle vise trop bien. Non mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Tu trouves quelque chose, trésor ? Ah mince! Attends. En avant, trésor. Bah non, ta gueule. Je fais ce que je veux. Je me suis toujours demandé d'où venaient ces fleurs. Il paraît que la secte les a découvertes dans ce qui reste du vieux camp de vacances. D'accord, ok. Ça tu me diras un truc. Je vais bien. Je crois qu'à la prison, il y a quelqu'un de la police qui cherche le Marshal Burke. Tu es un peu chamboulé. C'est les informations inutiles parce que je les ai déjà. Mais la sauce Chewie, oh, ça te plaît ça, hein, putain de dick.
C'est mieux que je regarde du côté là. Ça freine même tout seul, c'est excellent. Donc, d'accord, donc non. Non, ça roule vraiment pas comme il faut en fait. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette merde? Putain, mais merde! Mais j'ai jamais fait ça! Je voulais la réanimer! Je m'en occupe. Un truc pareil, ça mériterait... Sors de la voiture, putain! Allez, sors de la voiture! Sors de cette putain de voiture! Allez, putain, mais non, mais jamais de la vie! Jamais de la vie, je voulais monter dans la voiture, putain, maintenant, oui! Ah, enfin, putain, mais elle met 3 points! Mais c'est quoi ces animaux là? Ça survit 1000 ans. Je recharge, protégez-moi. Mets-toi en route. Ah putain. J'espère que t'es motivé parce que ça va bientôt péter. Ah mais il faut pas courir, faut ne pas bouger et il serait pas mort, ouais. Il serait resté à genoux. Ouais. Y'a plus de conflit. Merci d'avoir aidé la prison du comté. Mon oncle m'a dit qu'il avait vu la secte défoncer la porte du relais routier de Lorna. Il avait des ramènera-moi. En avant, trésor. 3700. Bon, j'ai eu de la chance. Je ne pas vu. Non, je m'arrête plus. On ne s'arrête plus, on continue, on va tout droit. Enfin, tout droit. Ça me fait penser à un truc. Tu vas me dire que j'ai... Ah ben non. Je suis jamais allé par là. Enfin maintenant si, il y en avait un juste à côté, mais ça sert à rien. Oh là là. Bon bah allez, c'est parti pour 3000 km.
Pourquoi tu dis ça? Non, ça va en fait. On a un gros problème en approche. Bah non, en fait, pas du tout. Putain. On fera ça quand on aura besoin de points de résistance. Là, pour l'instant, nouvelle structure de la secte, oui, bah ça c'est. Pas de soucis. Ah, c'est bon, il faut un peu nous tirer dessus. Voilà. J'ai écrasé quelques innocents sur mon passage. Mais bon. De toute façon, ils allaient mourir. Hein. Qu'ils meurent de ma main ou de la main des méchants. Oh, je préfère qu'ils meurent de la main des méchants quand même, mais... Ah, t'as vu, il y a marqué Yes là-haut. Sur la colline. Attends, il y a des arbres qui m'empêchent de voir. Là, regarde. Yes. Ok, bon, bah... Là. Mephis World approchant de Fall's End. La secte contrôle toute la ville. Tu vas devoir sauver Marie et Jérôme. Et ensuite, tu pourras mettre une bonne raclée à ces cinglés. Terminé. Ah, ils m'ont vu! Putain! Salut. On est tous foutus.
Bon, c'était compliqué. J'ai perdu mon arc. Il va falloir que j'aille le chercher. J'espère juste qu'il sera encore là. La mort ne sera plus ni le deuil, ni les cris, ni les pleurs. Car je sais quelles pensées j'ai sur vous, dit l'Éternel. Des pensées de paix, pas d'adversité, pour vous donner la fin que vous attendez. Ah, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais je sais reconnaître l'espoir. Tu t'es fait une belle réputation, officier. Merci. La vallée n'avait pas eu de meilleures nouvelles depuis bien longtemps. Un petit coup de main. Tu essaies de te briser le cou? C'était une bonne idée sur le papier. Là. Merci. Il aurait pu. Quel connard. Ah merde. C'est vous. Pardon. J'avais pas bien. Avec tout ce que vous faites déjà, vous vous tapez aussi les déménagements, donc. Je pensais qu'Eden's Gate avait tout confisqué. Quel genre de Fairgrave je serais si j'avais pas une réserve secrète. Excellent. J'ai appris des meilleurs. Cette ville, elle a souffert, officier. Oh, je m'en doute. On te doit beaucoup, mais... Je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais pour tout dire, il y a un paquet de gens ici qui ont besoin d'aide. T'inquiète, je suis là. Pasteur et moi, on fait tout ce qu'on peut. Mais... Si tu pouvais nous donner un coup de main. Je suis là. On t'aiderait en retour. Je sais. Il y a de l'alcool. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis partant. Ah. Oh. Marie va tout expliquer. À l'occasion, viens me voir à l'église. Je serai là. Ça fait classe quand même le tenue pasteur avec c'est l'armored. C'est armored pasteur. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.